Et puisque c'était vraiment un grand sujet de débat et avant donc, cette reprise de la coopération, et plus généralement, cette reprise des relations du Togo avec les autres pays et les institutions internationales. Je dois dire, vous avez raison d'insister sur l'Union européenne. Il faut rappeler que suite à la suspension de la coopération entre notre pays et l'Union européenne en 1993, les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux se sont alignés. Et certains ont lié leur reprise avec le Togo sur une reprise avec la Commission européenne et l'Union européenne. Et donc, vous savez, c'est aussi l'occasion pour moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour nous engager dans une dynamique nouvelle avec l'Union européenne. À commencer par le président Yadema, le père de la nation, paix à son âme, mais également les acteurs politiques comme le premier ministre Edem Kodjo, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères Zarif Wayeva, qui à l'époque avait accompagné le gouvernement à Bruxelles pour la négociation et la conclusion des 22 engagements. Voyez, ouais, aujourd'hui on a un certain nombre d'acteurs qui s'agitent en parlant de l'APG, l'APG qui est un dérivé de 22 engagements, alors qu'il dénonçait les acteurs politiques qui, peut-être avaient raison trop tôt, s'étaient engagés pour accompagner le gouvernement togolais à l'époque vers la conclusion de ces 22 engagements. Maintenant, si vous voulez qu'on établisse un bilan en termes de reprise de la coopération, je dirais qu'il ne faut pas situer cette reprise-là seulement du point de vue économique ou financier. Il faut voir aussi les réformes politiques, les libertés, les droits de l'homme, l'ensemble des vecteurs qui constituaient la charpente des 22 engagements. Les droits de l'homme. Aujourd'hui, je pense que dans la sous-région et sur le continent, nous sommes un pays pionnier dans bien de domaines. Nous avons été pratiquement le seul pays à demander au haut commissaire de créer un bureau sur place. À l'époque, cela paraissait un peu surprenant. Mais nous l'avons fait par conviction. Le président de la République a estimé que cela pouvait contribuer à l'apaisement, rassurer les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile, les partis politiques et de manière générale, les populations qui peuvent avoir le sentiment qu'en cas de pépin, il y a quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser. Aujourd'hui, nous venons de mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation. Il y a quelques jours, mon ami, le numéro 3 du Haut Commissariat aux droits de l'homme, M. Bakary Ndiaye, était dans nos murs et il me disait, Gilbert, c'est pas possible. Vous êtes un des rares pays aujourd'hui à prendre des initiatives hardies. Et là aussi, la qualité des personnalités qui ont été nommées dans cette commission vérité, justice et réconciliation, les garanties qui sont offertes pour que ce travail se passe en toute impartialité et en toute objectivité, sont à inscrire dans les acquis de la reprise de la coopération. Quand vous voyez aussi qu'un gouvernement comme le nôtre, en 2007, demande au Haut Commissariat de déployer des observateurs des droits de l'homme de manière anticipative et préventive lors du processus électoral. À l'époque, lorsque je suis allé parler à la Haut Commissaire, Mme Louise Arbour, elle m'a dit, mais est-ce que tu es sûr, Gilbert, que ton gouvernement le veut? J'ai dit non. Le Premier ministre de l'époque, Maître Yao Agoibo, je voudrais aussi l'encourager pour ce qu'il a fait à l'époque, le président de la République, naturellement, était désireux et souhaitait que ce déploiement ait lieu. Donc, du point de vue des droits de l'homme, voilà des acquis. Du point de vue de la démocratie, sur la base de l'APG que nous avons obtenu au prix d'un engagement de tous les acteurs politiques, gouvernementaux et de l'opposition, il y a beaucoup de réformes qui ont été réalisées. La Cour constitutionnelle a été recomposée à la veille des élections de 2007. La CNDH a été recomposée, ses moyens d'action, son indépendance ont été renforcés. La HAC, c'est la même chose. Et aujourd'hui, vous les journalistes, vous avez une liberté totale d'expression, d'opinion. Vous allez au-delà de relater les faits et de les interpréter pour vous attaquer parfois aux personnalités publiques. Donc, sur le plan également de la démocratie, des réformes visant à la consolidation de l'état de droit, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Oui, tout à l'heure, on va peut-être... Et en dernier lieu, la bonne gouvernance, c'est la même chose. Récemment, on vient de mettre en place la Cour des comptes. Il y a une cellule d'analyse des informations financières qui a été mise en place. Donc,
je voulais évacuer cet aspect-là pour vous dire, en bref, que le bilan de la recrue de la coopération ne doit pas seulement se limiter en termes de quantifier combien d'argent le Togo a obtenu, mais beaucoup plus de voir quelle est la nouvelle dynamique aujourd'hui qui permet aux Togolais de libérer les énergies et de s'engager massivement pour le redressement et le développement du pays. Oui. Mais nous allons venir tout à l'heure sur le bilan sur le plan financier.